Donc nous allons passer maintenant à la modélisation du sous-ensemble 3. Donc on va regarder les dessins de définition. Donc le sous-ensemble 3 est constitué de plusieurs pièces. Une pièce 3.1 qui est un récepteur en S235, tôle de 30 dixièmes. Donc le 3.1, c'est l'élément qui est courbe ici, qu'on retrouve dessous. Voilà. Ensuite, on va avoir un élément 3.2 qui est le flasque mélangeur. Alors ici, c'est un flasque, donc c'est une portion de cylindre plat. Le 3, c'est une tôle redressement bride. Donc on la réalisera, ces tôles roulées. Ensuite, la 4, ce sont des brides qui sont sur le côté. Et la 5, c'est une bride taraudée qui forme cet arc-là. Voilà. Donc on va essayer de modéliser ça. On va se mettre dans un autre Part Studio. Alors, le Part Studio 1, il s'agissait des brides. On va pouvoir le renommer. Clic droit, renommer. Prendre de bonnes habitudes. Les brides. Ensuite, le Part Studio 2, il s'agissait donc des goulottes. Renommer. Et enfin, on va créer un nouvel atelier de pièces qu'on peut appeler sous-ensemble 3. Récepteur. Allez. Récepteur. On va commencer par créer une esquisse. Donc on se met normal à cette esquisse. Donc dans cette esquisse, qu'est-ce que l'on souhaite réaliser? On va réaliser la portion de cercle ici, de diamètre 300. Donc on va faire une tôle roulée que l'on va extruder sur 800. Allez, c'est parti. Donc là, on va faire un arc par son centre. Diamètre 300 extérieur. Alors 300, pardon. C'est pas 300, ça va être un rayon de 150. Et là, on va pouvoir déjà créer un premier élément de tôlerie. Donc là, on va l'extruder. On va sélectionner la courbe. La matière est du bon côté, c'est du 3 mm et on va l'extruder sur 800. Voilà, donc là je viens de créer ma pièce 3.1, c'est le récepteur. Donc clic droit, renommer, récepteur. Ensuite, alors, on va pouvoir modifier ce récepteur. Alors, est-ce qu'on a des informations à ce sujet? Donc ici, on a une pente de 5 degrés. Donc ici, on va avoir 5 degrés de découpe. Alors, 5 degrés de découpe. Si je me mets en vue de right. Je fais une esquisse, clic droit afficher la normale et
Là, je vais créer donc une ligne. Alors, si par hasard vos points ne sont pas accrochés, c'est pas très grave, on peut utiliser des contraintes. Alors, coïncidence ici, entre ce point-là et puis par exemple cette ligne-là. Voilà. Donc là, je viens de créer une contrainte qui fait que mon point ne peut plus bouger. Alors, ensuite, je veux que cette ligne soit accrochée sur la génératrice. Donc on peut faire pareil, contrainte. Ce point. Et alors, là ça ne va pas être possible, il ne reconnaît pas la génératrice. Donc on va le laisser enfin, traverser. On va simplement mettre une cote angulaire de 5 degrés ici. Et on va enlever la matière. Donc extrusion, retirer. On va se mettre en symétrie et à travers tout. On va choisir alors la direction. Donc étendue de fusion, on va déjà l'enlever au récepteur. Voilà. Symétrique. Est-ce que je... Alors là, il va pas pouvoir me le faire. Face et zone d'esquisse à extruder. Donc la face ou zone d'esquisse, ça va être l'esquisse 2. Alors est-ce que c'est suffisant? Il n'a pas l'air d'avoir suffisamment d'informations. Donc là, il va falloir que l'on procède autrement. Donc on va modifier l'esquisse, on va se remettre normal. Et là, il va falloir qu'on ait un profil un peu plus fermé. Donc on va pouvoir repartir du point, se mettre verticalement et fermer notre profil. Échappement, on va fermer cette esquisse et là, on va pouvoir vraiment faire un clic droit, modifier l'extrusion. Et là, on va vraiment lui indiquer la zone que l'on veut enlever. Et là, ça va fonctionner. Voilà, donc là, on est bien avec le récepteur, on valide. Donc là, on a enlevé les 5 degrés. Ça, c'est bon. On va maintenant passer à la réalisation des brides. Donc on va pouvoir se positionner par rapport à notre élément ici en vue top. On va créer une esquisse. Se mettre normal à cette esquisse. Voilà. On va créer donc un contour. On va s'appuyer sur... Alors on va regarder quand même les dimensions de notre élément. On va donc avoir une largeur de 300 et là on a des brides 3, 4, c'est du fer plat de 30 par 5. Donc on a la possibilité de soit créer, comme on l'a fait tout à l'heure dans une précédente vidéo, créer un profil et à ce moment-là on peut jouer sur les fonctions cadre ici, ou alors on crée carrément donc une esquisse sur laquelle on va réaliser notre profil de bride. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on va faire un rectangle par sommet. On va s'appuyer sur la partie extérieure et on va créer donc notre premier profil. Ici, on a des coupes d'onglets. Donc ça, c'est pas un vrai problème. On va refaire la même chose à ce niveau-là. Hop. Comme ceci. On peut créer une symétrie
Donc on va choisir le plan et on va symétriser ça. Ensuite, on peut... Alors, on va pouvoir fermer ces éléments-là. On va supprimer... Donc avec les ciseaux, on peut découper ce qui nous gêne. Donc ça va nous gêner. Ça nous gêne. Tout ce qui est en double, ça aussi. Voilà. On peut faire la même chose de l'autre côté. Bon, après, il y a plein de solutions pour modéliser. Hein. On enlève. Alors, j'ai coupé un petit morceau en trop. Je vais prendre... Ouais, ça, c'est bon. Ah. Ok. Bon, c'est pas très grave. On va... fusionner les points. Alors ça c'est normal parce que là il m'a pris une coïncidence que je vais enlever. Ici, cette coïncidence là je l'enlève. Voilà. Donc là je vais faire coïncident ces deux points et ces deux points. Ah oui, du coup ça me ramène ici. Alors on a du 30 par 5. On va coûter la largeur de notre bride, 30. Et on va coûter cette largeur-là. Voilà. La cote par des points. Voilà. Là, on va avoir 30 également. Ok. S'il y a vraiment un souci, on va enlever... ce qu'on a fait là, c'est pas très grave. Et on va enlever cet élément-là aussi. Puisque apparemment, ça nous pose problème. Ok. Donc là, on a fait une petite partie. On peut faire maintenant la symétrie. Alors, pourquoi j'ai encore des éléments bleus? Alors, il manque les codes de position, donc codes de longueur. Donc là, j'ai 472,5. Alors, 458 ici, 472,5. 72,5. Ok. Et là, je peux mettre un angle. J'ai 45 degrés. Parfait. Donc là, évidemment, je peux refaire ma symétrie et sélectionner tous mes éléments. Voilà. Il me restera donc à fermer ce profil. Voilà. Donc sur cette bride, on a des trous. Donc 1, 2, 3, 4, 5 trous. Et on a des codes de position. Ce sont des trous de M6, trous taraudés. Donc là, on va faire des points. Donc sur cette esquisse, on va créer une ligne. On va vérifier s'ils sont bien centrés. A priori, ils sont centrés. Donc on va faire une ligne passant par les points milieux de nos segments. Voilà. Échappement. Et ensuite, on va faire des points correspondant aux emplacements des trous taraudés. Donc on a 1, 2, 3... 4, 5 et 6 points, je crois. Voilà. Ensuite, on va aller côté. Donc, il y avait une cote de 50 de position. Donc
ben on prend la cote 50, 152, 254. Trois cent cinquante-six et 458. Après, il faut s'organiser, recentrer ses cotes. Un peu plus lisible. Voilà. Donc là, on a coté les trous, enfin les positions des trous. Il nous reste les cotes des trous verticaux ici. Donc on en a 1, 2, 3, 4. Donc ce sera inutile d'en faire partout, hein, puisqu'on a besoin que de ces deux pièces. Hop, bon là on va faire par symétrie et on va voir à quelle distance ils sont situés. Donc 93,5, ils sont tous à 93,5 de distance. Alors, on va créer une symétrie par rapport à ce plan des deux points. Voilà, et on va les coter. Voilà, donc là on a fait le gros du travail pour la partie bride. On va pouvoir maintenant passer à la modélisation. Donc on va passer sur fonction extrusion. On va prendre cette partie-là que l'on va extruder. Alors c'est un plat de 5. Donc là on choisit l'épaisseur de 5. Et on fait nouveau. Donc cette pièce on valide. Cette pièce s'appelle 3-4 bride taraudé mélangeur. Alors bride taraudé mélangeur qui est constituée de différentes parties. Renommée bride longue taraudée mélangeur. On la distinguer de la bride courte. Ok. Je fais maintenant réapparaître mon esquisse et je vais réaliser à nouveau une extrusion. Cette fois-ci, on va prendre le contour qui est là et toujours en épaisseur 5. Et là, on va pas faire ajouter, mais on va faire nouveau pour créer une autre pièce. On valide. Et on va l'appeler, clic droit, renommée, bride courte, taraudée, mélangeur. Voilà, donc là on a fait les deux morceaux de bride. Celui-ci, ça sert à rien de la faire puisqu'on l'a déjà et ce sera asymétrique. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est les trous. Donc on va faire fonction trou et on va percer des trous. Alors, attention, là il y en a 4. Il y en a 5. Alors, comment ça se fait que j'ai pas le cinquième? 1, 2, 3, 4, le cinquième. Bon, enfin, je vois ça. Et on va percer également ici. Donc là, vous voyez, il a tout de suite choisi les deux entités, les deux pièces qui vont être impactées par
l'enlèvement de matière. Donc là, c'est des trous taraudés M6 à travers tout. Donc là, ISO, dégagement. Alors c'est taraudé, M6. On va prendre du pas normal. Alors c'est du 0,75. Et là, on est bon normalement. On va tarauder. Voilà, donc là, on a nos trous taraudés qui sont réalisés. Alors maintenant, il faudrait comprendre pourquoi j'ai pas tous mes trous. 4, 50, 152. Ah, j'ai oublié le 356. Et là, j'ai bien 472,5. Alors, il doit y avoir une erreur dans mon esquisse. Donc, on va l'éditer. Donc 472,5. Alors j'ai pas dû mettre la cote au bon endroit. 472,5. Ah oui, c'est par rapport à l'extrémité. Ah voilà, on l'a ici. J'avais pas vu. 498. C'est ça la cote. Donc 498. D'où l'intérêt de bien coter ces éléments. Comme ça, ça évite de s'y perdre. Donc ici j'ai un point qui sert à rien, je l'enlève. 458, là je suis bon. Donc là je vais reconstruire. Alors évidemment dans mon perçage il m'en manquait un, voilà, et il m'en manquait deux. Je valide, voilà. Donc là mes deux pièces sont finies, mes brides sont faites. Donc si on fait le point, on a fait les brides du sous-ensemble 1, la cornière, les goulottes. Et on va donc continuer en réalisant les autres pièces dans une autre vidéo.